Salut les gars, c'est Nabet, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la découverte d'une mise à jour d'un mode Minecraft horreur qui a fait flipper beaucoup d'entre nous, The One Who Watches. Mon but pour cette vidéo les gars est tout simplement de survivre 3 jours. Mon but est donc de survivre 3 jours les gars. Donc je ne sais pas si ça va être si compliqué que ça, mais on va essayer. D'ailleurs voilà, je suis désolé si au final le jeu bug pas mal, parce qu'en fait j'ai oublié d'ajouter pas mal de modes au lancement avant le tournage. Alors voilà, je suis vraiment désolé si le jeu bug pas mal de temps en temps. Donc je m'excuse d'avance si le jeu peut freeze de temps en temps. Waouh, j'ai vraiment spawn dans un bio mon pote. C'est quelque chose hein. Je pense donc qu'on va commencer directement, on va profiter justement de cette journée là et de cette nuit qui arrive pour... tout simplement pour passer la nuit, ce qui va grandement nous aider donc dans notre aventure, dans cette vidéo pardon plutôt, mais aussi donc du coup pour s'abriter, pour peut-être même aller aussi dans les grottes, bon là y a rien, et puis pourquoi pas trouver un village aussi, pourquoi pas. D'ailleurs les gars, franchement je tenais vraiment à vous remercier, on est très bientôt 6000, en fait je sais même pas si on les a déjà dépassé les 6000, mais dans tous les cas je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est vraiment insane les stats de fou qu'on fait sur la chaîne en ce moment. Donc voilà, je tenais vraiment à tout prix à vous remercier, c'est vraiment insane. Alors merci vraiment à tous de me soutenir toujours autant sur la chaîne, c'est vraiment insane. C'est quoi cet endroit, j'aime pas hein. D'ailleurs ouais, il y a même pas de bruit, il y a rien hein, c'est vraiment bizarre hein. Ce mob est très discret hein, donc. Alors je récupère du charbon, c'est vraiment très utile. Et franchement on a la chance déjà d'en avoir trouvé aussi vite. Et je récupère aussi de la pierre parce qu'on en a besoin pour faire les outils ainsi qu'un four. Au moins un four. Elle est très stylée cette grotte. Très stylée cette entrée de grotte là. Et maintenant faut partir à la chasse, faut chasser le gibier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois qu'on en voit sur la map. Bizarre cette trace de sang là quand même, non? Oh, hop. Respawn point. Oh. Jour 43 par inconnu. Ok. Jour 43. À n'importe quel endroit où je regarde, je vois ses yeux. J'ai tellement peur. Je commence à devenir pâle. Aidez-moi. Oh, ok. Très étrange, hein. Donc monsieur, il y a quelqu'un qui l'a déjà croisé, d'accord, ok. Ça rappelle vraiment la saison 2 de From the Fog, là, de notre côté. C'est vrai, avec les livres et tout qu'on croise comme ça. Ça y fait vraiment penser. D'ailleurs, les gars, franchement, dites-moi si vous voulez la partie 7 ou la partie 6, je ne me souviens plus, de notre aventure sur From the Fog. N'hésitez pas à me la réclamer et puis peut-être bien qu'on fera donc la suite dans très peu de temps. Ok, donc c'est parti, écoutez, on va garder le four là, hein, voilà, je pense même qu'en vrai de vrai, on pourrait s'abriter ici, parce que bon, bah, voilà, hein, au moins c'est déjà une petite base de fête, tu vois, et puis je pense que c'est donc ici que vont se dérouler les trucs les plus paranormaux, tu vois, voilà, parfait. Bon bah tout ça je vais garder, puis du coup je vais laisser mon respawn point ici là. Et maintenant faut vraiment qu'on trouve de la bouffe. J'avais vu des... Je crois j'avais vu des vaches et puis peut-être des moutons vers là-bas, mais j'en suis vraiment pas sûr. On a une belle grosse crevasse, une belle cavité juste ici, avec pas mal de charbon et autres, mais là franchement là il nous faut vraiment de la nourriture. Alors en plus de ça, ce qui est bien dans cet endroit là, dans ces terrains là par exemple, pardon, c'est surtout qu'il peut y avoir, je pense, des baies. Des baies, sauf que le problème c'est que les baies, bah faut les trouver. Ah, mouton. Cimer. Let's go. Oh le pauvre. Je lui ai volé sa bouffe. C'est la loi du plus fort, écoute. C'est vraiment bizarre parce qu'il y a vraiment pas de bruit et il y a pas de musique en plus. Il y a pas la musique de Minecraft et tout. C'est très étrange. Oh, il y a plein de moutons là-bas, let's go. Bon, la viande de mouton c'est pas ce qui donne le plus, mais bon, c'est déjà très bien comme ça. Voilà, l'autre mouton, viens par là, viens. Boum. Yes, let's go. Attendez, j'en ai vu un autre là dans le coin, il s'est barré. Oups, oh non. Squelette. Oh non, faut que je me casse en plus. Il y a des baies juste là, je vais vite aller en récupérer un petit peu. Oups. Non mais vous allez voir, ça va finir comme toutes les vidéos Minecraft sur la chaîne. On va mourir sans même le faire exprès. Vous allez voir, c'est sûr et certain. Attendez, hop, je récupère du bois. C'est vraiment très stylé ce truc. C'est vraiment extrêmement pratique aussi surtout. Je bouche les entrées comme ça, aucun mob ne passe. Bon, bah voilà. Bon, des petites torches, hein, quand même, faut pas abuser. Puis moi, voilà, je vais faire cuire la bouffe. Bon, début de vidéo plutôt difficile, mais ça va le faire. Bon, bah écoutez, moi je vais récupérer le four, la table de craft. Bon, même si j'en avais déjà une, malheureusement. Écoutez, c'est pas bien grave, je vais dormir et puis ensuite on part à l'aventure.
Je récupère bien sûr le livre, faut pas abuser. Bon, il y a un zombie, bon, on s'en tape. Alors nous, du coup, on va aller de l'autre côté. Donc, d'après le modeur, ce serait maintenant qu'il peut spawn le mob. Ouais, ça va être flippant. Hein. Oh la vache, t'as la taille de l'arbre, non, c'est trop ou toujours plus. Putain, cet endroit, ça rappelle le début de notre survie SCP FNAF. Vous vous rappelez? C'était une dinguerie. D'ailleurs, les gars, il devrait bientôt y avoir aussi des nouvelles vidéos sur les modes FNAF dans peu de temps, normalement. Mais bon, voilà, ça devrait pas tarder à arriver, quoi, celle-ci. Je récupère aussi un tout petit peu de bois au passage. C'est vraiment dommage, le jeu bug vraiment beaucoup. Je suis vraiment, vraiment désolé, les mecs. Ok, les gars, au niveau de la qualité, c'est déjà bien mieux. Donc, écoutez, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Il y a plein de bouffe, ça, c'est bien, ça, putain. Ça, c'est un très bon endroit pour faire une base, ça, par contre. Ça, j'aime bien. En plus, il y a beaucoup de bouffe, en vrai. Ça, c'est vraiment cool. Oh, portail en ruine. Let's go, moi j'y vais. D'ailleurs les gars, pour ceux qui se demandent, on est en live juste à 15h. On est en live aujourd'hui à 15h. Alors n'hésitez surtout pas à passer nous voir. On sera en live just chatting. On sera en live just chatting. Alors voilà, donc on ira sur à peu près les jeux que vous voulez. Vous pourrez me donner des défis et autres. Voilà, petit live just chatting. Et puis voilà, sur YouTube hein, par contre. Ici même sur la chaîne. Oh, pas mal. Putain, deux pommes en or, c'est bien ça. Bon, par contre, le flint, ça sert un peu à rien. Si vous voulez passer me voir à 15h, vous me demandez de jouer à n'importe quel jeu, j'y jouerai. Parce que voilà, c'est quand même un live just chatting et tout ça, puis voilà. Bon, eh ben moi, je pense qu'on va donc s'abriter. On va faire une base, on va faire une petite base, on va faire une petite maison. Et je pense qu'on va la faire dans le coin du genre là. Ici, là, là, ici, là. Là, c'est vraiment un trop, trop bon spot. C'est vraiment trop bien. Attendez, hop, je vais couper cet arbre direct. Oh là là, ce mode, je l'adore ce mode. Toujours pas de trace du mode, hein, du mob, hein, pardon. Ouais, y a toujours pas de trace du mob. Bon, après, je pense que on devrait plutôt le croiser durant la nuit, ce qui est logique. Ce qui serait totalement logique. Mais voilà, pour le moment, il n'y a aucune trace du mob. Donc écoute, moi ça me va. Voilà, parfait. Et on est beau gosse, même comme ça. Hein. Ah, bah j'ai fait un screenshot sans faire exprès. Par contre aussi j'ai un réel problème, je n'ai absolument pas de quoi me faire des vitres. Alors est-ce qu'il y en a juste ici? Je l'espère. Ah oui, juste là. Ah, let's go, il y a du sable. 14, c'est largement suffisant. J'aurais dû même seulement en prendre 6 parce que du coup je vais pouvoir me faire des vitres et pas du verre. Voilà, ce sera largement assez. Voilà, parfait. Je vais mettre de la bouffe aussi à cuire. Maintenant, tac et tac. Bon, j'aurais largement pas de quoi faire un toit très très beau. Mais écoutez, tant qu'on peut s'abriter, hein. Un toit, t'as peur. Bon, j'ai plus de charbon. On va faire du charbon de bois. Bon, ben moi je vais rester là, ici là, dans cette nuit-là, pour voir si ça bouge. Mais bon, on verra. Hein. On verra s'il y a quelque chose. Si j'entends du bruit ou autre chose, mais pour le moment, il n'y a rien. Mais je vous dirai quand il y a quelque chose. Oh mon Dieu! Oh, il est pas beau. What? Mais what? Oh. Oh putain. Oh. Il vient de disparaître. Je bloque l'entrée. J'en ai rien à foutre. Je bloque l'entrée. Oh. Ok. Il est là. Les gars, il est là. Il est là. Il arrive. Regardez, c'est ça. C'est ça. C'est lui, les traces de sang. C'était quoi ce bruit? C'est lui qui pose les traces de sang. What the fuck? En fait, c'est quoi le délire? Il est blessé, c'est ça? Non? What the fuck? Oh, il est pas beau. Waouh! Oh, la mise à jour de fou qu'il a eu. Oh, il manquerait plus qu'à ce qu'il soit comme le Night Dweller. Tu sais. En fait, vraiment, le Night Dweller, il commence à me faire pitié. Franchement, ça fait 8 mois qu'il a pas eu de mise à jour. Alors que t'as tous les Cave Dwellers et tout, ils sont tous en train d'en avoir. Et ils sont tous devenus beaucoup plus flippants que lui. C'est abusé. Il commence à faire pitié un petit peu le Night Dweller au final. Même Herobrine. Même Herobrine, lui, c'est pareil. Et t'as tous ces mobs, t'as tous ces mods là, ils sont tous en train d'avoir des mises à jour et tout. C'est giga flippant. Waouh! Eh ben putain, je m'attendais pas à ça. Hein. Oh! Il a mis une griffe sur ma maison, les gars. What the fuck? Ça veut dire qu'il devait être juste à côté alors. Je pense qu'en réalité, on ne le voit pas, mais il est pas loin. C'est quoi ce truc là-bas? Ah, c'est un loup, c'est un loup. Oh, j'ai eu peur. J'ai resté lui justement. Bah putain, c'est terrifiant. Oh, mais attendez, mais il vient de foutre une griffe sur mon... Waouh.
Ça veut donc bien dire qu'il était vraiment juste à côté, quoi. Il est terrifiant, ce mode. Terrifiant. Bon, après, il l'a dit qu'il va pas forcément se présenter tous les soirs dans le mode. Mais bon, là, c'est dommage, quoi. Là, c'est dommage. Tiens, en tout cas, on l'a vu. On l'a vu, c'est déjà ça. S'il pouvait même nous attaquer, ce serait encore plus stylé. Bon, j'aurais peur, mais c'est stylé quand j'ai peur. En fait, c'est presque dommage. Je trouve que vraiment le mode là, le mob spawn vraiment pas assez, je trouve. C'est très dommage. C'est vraiment dommage. Je suis triste. En vrai de vrai, faut regarder les arbres. Faut regarder les arbres si par hasard il y aurait des traces, genre des griffes et tout. Il faut regarder. Il faut regarder. Alors, c'est soit franchement, j'ai vraiment pas de luck, soit c'est vraiment, il spawn pas beaucoup, hein. Ça va très profond là-dedans quand même, n'empêche là. What the fuck? C'est quoi ces blocs là? What the fuck? On dirait ça vient d'être, ça a déjà été posé. Mais c'est lui? Mais regardez là, c'est lui là. En blanc là. Attendez, attendez, attendez. C'est quoi cette blague là? Oh, il vient de spawn. C'est ça, c'était lui. Oh, j'ai peur. Bon, il spawn, c'est déjà ça. D'accord. What the fuck? Putain, mais. Tu crois que je peux récupérer le bloc avec la trace? Ah non, dommage. Comme neuf. What? Y a un truc qui marche à côté de moi. C'était pas moi ça par contre. Y a un truc qui marchait qui était juste à côté de moi là. Oh! Les gars, elle y était pas. Il y a 2 minutes, elle y était pas. Cette trace là, il y a 2 minutes, elle y était pas. What? Attendez, mais je vais faire le tour de la maison quand même, au cas où, mais. Ah non, c'est bon, il n'y a plus rien. Mais what the fuck? Il y a 2 minutes, top chrono, il y a 2 minutes, ça y était pas. What the fuck, frère? C'est terrifiant en vrai. Franchement, le modeur, chapeau, hein. Vraiment. Bon, les mecs. Oh putain, vite, casse-toi. Il est dans ma base. Oh, il y a des bruits de pas. Il est encore dedans? Oh putain! Si j'ouvre, je meurs. Bonjour. Oh putain. Oh, c'est terrifiant. Il est pas beau. Oh mais arrête avec tes figures bizarres. T'es un peu chez moi. Oh là, oula, 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 j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Il vient de se TP. Oh, il est. Oh putain. Non, c'est chez moi, c'est toi qui cours. Putain, il vient de foutre plein de sang chez moi là, ce bâtard. Putain, le bâtard, il vient de foutre plein de sang chez moi, c'est abusé. Bon bah les gars, il n'y a plus qu'à attendre la nuit. Et on aura peut-être, à part si on meurt d'ici là. Mais si on attend la nuit, qu'on passe la nuit, bah on aura terminé, on aura réussi le défi. Ce qui est sûr, c'est que ce mode était vraiment terrifiant. What, maintenant, mais vous vous rendez compte, il était juste là dans ma base, quoi. Waouh. Oh frère, je m'y attendais tellement pas. Je suis rentré, j'ai vite fermé, parce que. Oh, à tout moment, il me courait dessus. Bon bah voilà, bon bah sur ce, bah les gars, je viens de passer la nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, on aura réussi notre défi. Et pas comme dans toutes les dernières fois, hein, parce que bon, on n'a jamais réussi d'ici là, je crois. Hein. Je crois qu'on n'a jamais réussi à survivre une seule fois. Mais voilà, les gars, si vous voulez un jour une partie 2 sur ce mode, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. On explorera donc plus en profondeur. Ce sera avec grand plaisir. Sur ce, les gars, pour une partie 2, je vous propose 30 likes. Ouais, je sais, c'est énorme. 30 likes, et on fera donc une partie 2. Allez, sur ce, les gars, c'était Navette. On se retrouve très bientôt. Ciao, les mecs.